Bonjour à tous, vous êtes une grosse centaine depuis début décembre à avoir découvert ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Je voulais démarrer cette vidéo par une petite introduction qui sera supprimée dans 15 à 30 jours parce que ça n'a pas réellement de plus-value par rapport au reste de la vidéo. Je me permets donc de vous expliquer globalement le concept de ma chaîne. Je publie en milieu de mois une vidéo liée à de l'impression 3D, du bricolage, enfin tout ce qui touche au domaine des makers, comme on dit, d'où le nom de la chaîne Les Minutes Makers. Et en fin de mois, lorsque mon agenda me le permet, je vous sors une vidéo soit en rapport avec le maker, soit avec un domaine complètement différent tel que ce sera le cas aujourd'hui. Donc ça peut vraiment toucher à tous les domaines. Mon but, c'est de me divertir en vous divertissant. Donc j'espère que cela vous plaira. Je passe maintenant à une phase de remerciement. Je tiens à remercier Philippe, alias Planet Maker 3D, dont vous retrouverez le lien vers son groupe en description. C'est Philippe qui m'a permis d'obtenir en test le produit Polyprint 3D qui m'avait permis de vous faire une petite vidéo et même de vous faire gagner quelques lots dans le cadre du calendrier de l'Avent juste avant Noël. Je tiens à remercier également Stéphane de la chaîne Neotech qui m'a mis en avant pas mal de fois dans le cadre des lives qu'il organise tous les vendredis à 21h ou 21h30 en fonction de la semaine. Je vous invite franchement à y aller, on passe à chaque fois un très très bon moment. Le lien est en description. Je tiens également à remercier François et Maxime, ils se reconnaîtront. Ces deux amis m'aident grandement à améliorer la qualité de l'image et également à scénariser, à avoir des idées de scénarisation de mes vidéos. Donc merci à vous. Et enfin, je remercie deux de mes abonnés qui sont Jonathan et Fred V. Sur toutes les vidéos là depuis décembre, sur toutes les vidéos, il y a un commentaire de leur part et c'est super sympa de votre part. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire, bonne vidéo, c'est parti. Hey Jérémy, t'as vu qu'il y avait un personnage Lego Duplo qui te ressemblait vachement? Sans déconner, ça va vraiment ça? Bonjour à tous! Dorénavant, dans le décor des vidéos, vous allez voir en fond apparaître un tableau Lego Arts. Donc j'ai décidé que j'allais vous montrer un petit peu l'assemblage que j'ai réalisé pour pouvoir l'avoir dans mon décor. Allez, c'est parti pour la réalisation! Thank you.
Ouais, alors comme ça, tu fais travailler Sly pendant toutes les périodes de Noël à faire plein de montages vidéo. Je vais te manger. Slide, à quoi tu joues? Zut.